dois prendre un sac de pommes de terre. Je concentre mes muscles. Ce sac est assez gros et mes jambes se préparent à être lourdes, en difficulté. Mon ventre est encore libre, prêt à prendre l'élan pour attraper le sac de pommes de terre et le porter en l'air et le mettre sur mon dos. Je vois le sac de pommes de terre. Il est prêt. On dirait qu'il se concentre. Il fait le choix d'être presque léger. Il fait le choix de profiter de ce voyage que je vais lui offrir. Ma jambe se concentre. Elle commence à devenir élastique et à être un pied et quelque chose qui roule, quelque chose qui va vaincre la pesanteur. Elle se transforme en quelque chose qui va monter au ciel. J'essaie de comprendre un panneau indicatif. Il est indiqué dans un sens la plage et dans un autre sens la plage. Alors, j'essaie d'imaginer si je pousse mon bras dans un sens qui va à la plage et mon bras dans l'autre sens qui va à la plage aussi. Je dois rester moi-même. Peut-être mes bras vont-ils dans un sens ou dans un autre. Mais moi, je vais devoir mes muscles, ma peau, mon nombril, tout se peser. J'essaie de trouver une solution intellectuelle. Là, c'est la tête qui travaille. Et si j'allais dans un sens, en me disant que de toute façon, la plage dans un sens ou la plage dans un autre, ça
devrait être la même chose. Comme ça, je ressens encore mon unité personnelle. Comme ça, je reste moi. Je peux aller à la plage moi-même. Mais en même temps, je me dis que si je me sépare en deux, je pourrais me rassembler, je pourrais être séparé le temps du chemin et rassembler au bout, lorsque j'arrive à la plage. Si le panneau ne me trompe pas, si le panneau ne m'induit pas en erreur,